These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Our travelers are discussing where to go and what to see in France. Sparks fly between the right-wing Hubert and the radical Jean-Michel. Bicycles might be better than a crowded car. Tentative decision? A reverse Tour de France starting in Normandy, where the food is excellent. Nos cinq amis sont réunis chez les vélos pour parler de leur voyage. Alors, où on va? Où va-t-on? Mais partout. On va aller partout. On va voir la France entière, telle que l'on fête la nature, 2000 ans d'histoire et nos 40 rois. Tes 40 rois et la sueur du peuple, oui. Et les géants de 93. C'est qui les géants de 93? Les grands hommes de la Révolution française. Tu sais, Danton, Robespierre. Des grands, des purs, des durs. Des monstres assoiffés de sang. Il faut absolument que vous voyiez nos campagnes françaises soignées comme des jardins, nos magnifiques forêts, nos sites incomparables, les aiguilles de Chamonix, le cirque de Gavarni, les gorges du Verdon et celles du Tarn, les calanques de Cassis, ces beaux de Provence. Et il faut surtout qu'ils voient nos cathédrales. Mais j'ai déjà vu Notre-Dame. Et tu crois que quand tu en as vu une, tu les as toutes vues? On a aussi vu Chartres. Deux cathédrales, mais ce n'est rien. Il y a des centaines d'églises à voir. Amiens et sa nef, Strasbourg et sa flèche, Reims, où tous nos rois ont été sacrés, Bourges et ses vitraux, le Mont Saint-Michel et sa merveille. Et ces marais qui avancent à la vitesse d'un cheval au galop. Et la cathédrale d'Albi avec ses énormes murailles de petites briques roses. Toutes les merveilleuses églises romanes, Vézelay, Paray-le-Monial, Saint-Benoît-sur-Loire, Poitiers, Conques, Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, là où on fait le fromage. Toutes les églises fortifiées. Agde, les Saintes-Maries de la Mer, Luz. Et toutes les églises modernes. Yvetot, l'église du plateau d'Assis, celle de Cocteau, Royan, Ronchamp. Et puis, il faut que vous voyiez nos châteaux. Champs, Chambord, Chaumont, Chantilly. Chantilly. La crème Chantilly. Châteaudun, Chenonceau, Chinon, Valençay. Là où on fait le fromage de chèvre. Annay, Amboise, Angers, Azel-Rideau, Blois, Fontainebleau. Ah, Fontainebleau, le fromage à la crème. Loche, Langeais, Pierrefonds, Saumur. Saumur, là où il y a le vin. Et une des meilleures écoles de cavalerie du monde. Ouais, tout ça m'a l'air fort intéressant, passionnant, admirable. Mais il me semble que ça fait beaucoup. On ne va pas pouvoir aller partout. Tu sais, la France, c'est pas bien grande. Juste un millième des terres des bergers. Émergés, au-dessus de la mer. Évidemment, si c'est pas au-dessus de la mer, c'est pas une terre. La France est un peu plus petite que le Texas. Mais quelle variété, quelle richesse. Il y a de tout en France. Ouais. Mais j'étais en train de penser, on va être plutôt serré à 5 dans votre méharie. On va avoir les articulations rouillées. Je me demande si ce serait pas mieux de faire ça à vélo, histoire de faire de l'exercice. Oh oui, la France à vélo, ce ne serait pas mal. Cécile et son mari ont fait les châteaux de la Loire à vélo, quand ils étaient fiancés. Et ils ont trouvé ça formidable. Mais il faut dire que la vallée de la Loire, ça va tout seul, surtout en descendant. Par contre, grimper le col du Tourmalet ou de l'Iseran... 2770 mètres... Ça, c'est une autre histoire. C'est qu'on en a des montagnes en France. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Ardennes, le massif des Vosges, le massif central. Et tu en oublies un, en Bretagne. Ah oui, le massif américain. Armoricain. Armoricain, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire breton. L'Armorique, c'est la Bretagne. On t'a pas appris ça en géographie? Oh, mais c'est pas très haut, alors ça ne compte pas. Oui, ce ne sont pas les montagnes qui manquent. Et moi, je tiens absolument à aller en montagne. Je commence à en avoir assez de la plaine de l'Île-de-France. C'est où, l'Île-de-France? C'est ici.
Paris, province, c'est dans l'Île-de-France. Mais c'est pas une île. Mais ça ne fait rien, ça s'appelle comme ça. Moi aussi j'en ai marre de la plaine. J'en ai ras-le-bol. Je veux aller faire de la montagne. Eh bien, c'est entendu, pas de problème. On ira dans le Massif central. Mes parents ont une propriété dans le Cantal. Là où on fait le fromage? Bien sûr, le Massif central, c'est de la montagne à vache. C'est ce que t'appelles de la montagne, toi? Il faut aller au moins dans les Pyrénées. Les Pyrénées? Mais il n'y a plus de Pyrénées, mon cher ami. Il n'y a plus de Pyrénées? Non. Ah, encore une stupidité de ton Louis XIV. Marie-Laure n'a pas l'air de comprendre. Mais oui, tu as étudié ça en histoire, non? Tu sais bien la paix des Pyrénées en 1659. Louis XIV avait signé un traité avec l'Espagne et il a dit, voilà, maintenant on est amis, copain-copain. Il n'y a plus de problème, rien ne sépare plus la France de l'Espagne. C'est comme s'il n'y avait plus de Pyrénées. Il n'y a plus de Pyrénées. Ah, elle est bien bonne celle-là. Ah, c'est la meilleure de l'année. Il n'y a plus de Pyrénées. Allez donc demander aux coureurs du Tour de France quand ils se tapent le col d'Aubisque et le col du Tourmalet dans la même étape. Remarquez que moi, choisi, je crois que je préfère les Alpes. C'est plus haut. La Meije, 3983 mètres. Le Mont Blanc, 4807 mètres. 4810? Mais allons, Hubert, où es-tu allé chercher ça? Tout le monde sait que le Mont Blanc n'a que 4807 mètres. N'est-ce pas, Marie-Laure? Le Mont Blanc, altitude? 4807 mètres. Tu vois? Moi, on m'a toujours appris 4810. Je sais que de mauvais Français qui n'avaient pas le sens de la grandeur ont essayé de leur rabaisser à 4807, mais ça, moi, je n'accepterai jamais. Cocorico! Bon, parlons peu, parlons bien. Où va-t-on? Je propose de faire le tour de la France dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Première étape, Lille, Roubaix, Tourcoing. Le nord? Oh non! Encore de la plaine, des champs, des mines, des usines. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais le peuple, mademoiselle, la vraie France, la France qui travaille. Oui. Mais pour la gastronomie, le Nord, ce n'est pas formidable. Si on commençait par la Normandie, plutôt. Là, au moins, on mange bien. Le camembert, la crème fraîche. Le beurre d'Isigny, la sole normande, le canard rouennais, les tripes à la mode de Caen. Va dans la Normandie. Pendant que les jeunes gens discutent de leur voyage, derrière la fenêtre apparaît l'homme en noir. Il lave les carreaux. Bizarre, bizarre. Personne ne le remarque, sauf Marie-Laure, qui l'observe un peu intriguée. Départ, lundi matin, à l'aube. Première étape, Rouen. Non, Tourcoing. Rouen. Tourcoing. Rouen. Tourcoing. Rouen. Tourcoing. Rouen. Tourcoing. Rouen. Les cinq amis sont réunis pour parler de leur voyage. Ils sont réunis, vous vous rappelez? Mireille et Jean-Michel réunissent leurs gosses tous les dimanches. Ils font une réunion. Voilà une réunion. Ça, c'est une réunion d'ouvriers. Une réunion de cuisiniers. Où on va? Où va-t-on? Remarquez qu'Hubert parle mieux que Jean-Michel. Où on va? Où va-t-on? Où va-t-on? C'est plus correct, plus élégant. Où va-t-on? Je connais un petit restaurant pas mal. Ils vont voir la France telle que l'on fête la nature. La mer, les montagnes, les plaines, les cours d'eau. C'est la nature qui a fait la France, mais aussi l'histoire. D'abord, la préhistoire. Puis, l'histoire qui a commencé il y a plus de 2000 ans, avec les Gaulois et les Romains. Après l'époque gallo-romaine, il y a eu 40 rois.
D'après Hubert, ce sont ces rois qui ont fait la France. Mais Jean-Michel n'est pas d'accord. D'après lui, ce ne sont pas les rois, c'est le travail du peuple qui a fait la France. Vos 43 et la sueur du peuple, oui. La sueur du peuple, ça veut dire le travail du peuple. Quand on travaille dur, on a chaud. On transpire, on sue. D'après Jean-Michel, c'est le travail du peuple qui a fait la France. Et les géants de 93, les grands hommes de la Révolution en 1793, comme Danton, Robespierre. Voilà un homme normal. Ça, c'est un géant. Et ça, c'est un nain. Jean-Michel dit que c'était des géants figurativement, parce qu'il les admire. Ce sont des hommes illustres. Des grands, des purs, des durs. Hubert n'est pas d'accord. Des monstres assoiffés de sang. Hubert veut montrer la France entière à Robert. Il faut absolument que vous voyiez nos campagnes françaises soignées comme des jardins. La campagne. La montagne. La mer. Nos magnifiques forêts. Nos sites incomparables. Les aiguilles de Chamonix. Dans les Alpes, des pics très pointus, comme des aiguilles. Le cirque de Gavarni. Dans les Pyrénées. Les gorges du Verdon et celles du Tarn. Les gorges du Verdon. Les gorges du Tarn. Voilà des gorges. Mireille, spécialiste d'histoire de l'art, veut surtout que Robert voie les cathédrales, les grandes cathédrales gothiques, comme celle d'Amiens, qui est célèbre pour sa nef très haute. Voilà une nef. La cathédrale de Strasbourg, célèbre pour sa flèche. Voilà une flèche. Une flèche. La cathédrale de Reims, célèbre pour ses anges, et parce qu'on y sacrait les rois. La cathédrale de Bourges, célèbre pour ses vitraux. Le Mont-Saint-Michel, qui est célèbre pour son église gothique, qu'on appelle la Merveille, et aussi parce qu'il y a de très fortes marées. Au bord de la mer, il y a des marées. La mer monte, c'est la marée haute. Et puis la mer descend, c'est la marée basse. Voilà la marée basse. La marée basse. Au Mont-Saint-Michel, les marées sont très fortes. La mer monte très vite, aussi vite qu'un cheval au galop. Il y a toutes les églises gothiques du XIIe au XIIIe siècle. Et toutes les églises romanes plus anciennes. Vézelay, Barrel-Monial, Conques, Saint-Nectaire. Ah, Saint-Nectaire, ça intéresse Colette, parce qu'il y a un fromage célèbre. Il faut voir aussi toutes les églises fortifiées, comme des châteaux forts. Les églises modernes aussi, comme celle d'Yvetot en Normandie. Celle de Poitiers. Celle du plateau d'Assy, dans les Alpes. Celle de Royan, sur l'Atlantique. Celle de Ronchamp, construite par Le Corbusier. Et puis, il faut voir tous les châteaux, les vieux châteaux qui datent du Moyen-Âge, Angers, Loches, Chinon, Saumur, dans la région de la Loire. Saumur, là où il y a le vin. Oui, Colette, il y a aussi un très bon vin à Saumur. Et puis, il faut voir tous les châteaux de la Renaissance. Amboise, où Léonard de Vinci a vécu et est mort. Chambord, Chaumont, Chenonceau, Azay-le-Rideau,
Langeais, dans la région de la Loire. Et il ne faut pas oublier Valençay. Là où on fait le fromage de chèvre. Et Fontainebleau. Fontainebleau, le fromage à la crème. Et Chantilly. Chantilly. La crème Chantilly. Évidemment, tout ça, ça fait beaucoup. Heureusement, la France n'est pas très grande. Juste un millième des terres des bergers. Des bergers? Mais non, Marie-Laure. Un millième des terres émergées. Émergées, au-dessus de la mer. Émergées, immergées. Robert préférerait faire le voyage à vélo. Pourquoi? Histoire de faire de l'exercice. Il veut faire de l'exercice. Eux, ils font de l'exercice. Eux aussi, ils font de l'exercice. Si on ne fait pas d'exercice, on a les articulations rouillées. Voilà, une articulation. Une articulation rouillée. Cécile et son mari ont fait les châteaux de la Loire à vélo, quand ils étaient fiancés. Mais il faut dire que la vallée de la Loire, ça va tout seul, surtout en descendant. Par contre, pour grimper le col du Tourmalet ou de l'Iseran... 2770 mètres... Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est plus difficile. 5 fois 4. 20. 5 fois 5. 25. 5 fois 6. 30. Ça va tout seul. Bon. Et 7 fois 4. 28. 7 fois 5. 35. Bien. Et 9 fois 8. Oh, ça, c'est une autre histoire. C'est pas pareil. Faire la France à vélo, ça peut être dur à cause des montagnes. C'est qu'on en a des montagnes en France. C'est qu'il y en a des montagnes. Marie-Laure, sois gentille et donne-moi mes lunettes. Où est-ce qu'elles sont? Et dans une des poches de ma veste, là. Dans laquelle? Je ne sais pas, cherche. C'est que tu en as des poches. C'est que tu en as des poches. Il y a beaucoup de montagnes en France. Oui, ce ne sont pas les montagnes qui manquent. Les Alpes. Les Pyrénées. Le Jura. Les Vosges. Le Massif central. Les Ardennes. Le Massif armoricain. Armoricain, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire breton. Ça veut dire breton. L'Armorique, c'est la Bretagne. Je commence à en avoir assez de la plaine de l'Île-de-France. Colette en a assez de la plaine de l'Île-de-France. C'est où l'Île-de-France? C'est ici. Paris, province, c'est dans l'Île-de-France. Écoutez la conversation entre Mireille et Marie-Laure, puis vous jouerez le rôle de Mireille. C'est où l'Île-de-France? Eh bien ici. Paris, province, c'est dans l'Île-de-France. Mais c'est pas une île. Mais ça ne fait rien, ça s'appelle comme ça. À vous maintenant, vous êtes Mireille. C'est où l'Île-de-France? Eh bien ici. Paris, province, c'est dans l'Île-de-France. Eh bien ici, Paris, province, c'est dans l'Île-de-France. Eh bien ici, Paris, province, c'est dans l'Île-de-France. Mais c'est pas une île. Mais ça ne fait rien, ça s'appelle comme ça. Mais ça ne fait rien, ça s'appelle comme ça. Mais ça ne fait rien, ça s'appelle comme ça. Jean-Michel aussi en a assez de la plaine. Moi aussi j'en ai marre de la plaine. J'en ai ras. Le bol. Il en a assez. Il en a marre. Il en a ras-le-bol. Voilà un bol. Un bol plein. Un bol plein à ras. Il en a ras-le-bol. Marie-Laure aussi en a ras-le-bol. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol des devoirs et des leçons. Tiens, je vais aller faire un tour au Luxembourg. Il veut aller faire de la montagne. Hubert propose le Cantal. Dans le Massif central. Colette est d'accord, parce qu'il y a une spécialité de fromage dans le Cantal.
Mais Jean-Michel n'est pas d'accord. Le Cantal, ce n'est pas de la vraie montagne, c'est de la montagne à vaches. Voilà de la vraie montagne. Ça, c'est de la montagne à vaches. Jean-Michel propose les Pyrénées. Les Pyrénées? Mais il n'y a plus de Pyrénées, mon cher ami. Louis XIV a supprimé les Pyrénées. Marie-Laure n'a pas l'air de comprendre. C'est pourtant simple. Les Pyrénées séparent la France de l'Espagne. Il y a eu des guerres, mais en 1659, Louis XIV a fait un traité avec l'Espagne, la paix des Pyrénées. Et il a dit, maintenant, rien ne sépare la France et l'Espagne. Il n'y a plus de Pyrénées. Il n'y a plus de Pyrénées, non. Jean-Michel n'est pas convaincu. Ah, encore une stupidité de ton Louis XIV. C'est une plaisanterie ridicule. Elle est bien bonne, celle-là. Ah, c'est la meilleure de l'année. Alors, Marie-Laure, tu ne travailles pas? Elle est bien bonne, celle-là. Je me suis tapée un devoir de français, un devoir de maths, une leçon d'histoire, une leçon de géographie, et je ne travaille pas. Je vous jure, c'est la meilleure de l'année. C'est pas moi, c'est lui. C'est la meilleure, celle-là. Ah, c'est la meilleure de l'année. Il n'y a plus de Pyrénées. Allez donc demander au coureur du Tour de France, quand il se tape le col d'Aubisque et le col du Tourmalet dans la même étape. Les coureurs du Tour de France se tapent deux cols le même jour. Ils font deux cols le même jour. Et Marie-Laure se tape tout un tas de devoirs et de leçons. Je me suis tapée un devoir de français, un devoir de maths, une leçon d'histoire, une leçon de géographie, et je ne travaille pas. Je vous jure. Voilà un col. Le col d'Aubisque. Jean-Michel préfère les Alpes parce que c'est plus haut. La Meije, 3983 mètres. Le Mont Blanc, 4807 mètres. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'altitude du Mont Blanc. 4807 mètres, dit Marie-Laure. 4807 mètres. 4810? 4810 mètres, dit Hubert, qui a le sens de la grandeur. Mais allons, Hubert, où es-tu allé chercher ça? Où es-tu allé chercher ça? Ça va pas. 9 fois 8. 93. 93? Mais où est-ce que tu allais chercher ça? Tout le monde sait que 9 fois 8 font 72 et que le Mont Blanc n'a que... 4807 mètres. Moi, on m'a toujours appris 4810. Je sais que de mauvais Français qui n'avaient pas le sens de la grandeur ont essayé de le rabaisser à 4807. Mais ça, moi, je n'accepterai jamais. Cocorico! Quelle est la plus haute montagne d'Europe? Je crois que c'est le Mont Blanc. Et vous connaissez l'altitude du Mont Blanc? J'ai appris qu'elle était de 4810 mètres. Mais je crois qu'il y en a un peu moins maintenant. Elle est moins haute. Ah bon? Ça a baissé. Un peu. Hubert propose de faire le tour de la France dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens des aiguilles d'une montre, le sens inverse des aiguilles d'une montre. On voit bien le mouvement des nuages, vous voyez, comme ça tourne dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Première étape, Lille, Roubaix, Tourcoing. Mais Colette n'est pas d'accord. Le nord, non. Encore de la plaine, des champs, des mines, des usines. Elle préfère la Normandie. Là, au moins, on mange bien. Le camembert, la crème fraîche, le beurre d'Isigny, la sole normande, le canard rouennais, les tripes à la mode de Caen. Tout le monde est d'accord. Va dans la Normandie! Moi, si j'étais toi, je jouerais le 10 de trèfle. Va pour le 10 de trèfle. Va dans la Normandie. Départ, lundi matin, à l'aube.
Ils vont partir le matin très tôt, à l'aube. Les pêcheurs partent à l'aube souvent. Il y a des boutiques qui ouvrent à l'aube. 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 Regardez, écoutez et parlez. Ça, c'est la mer ou la montagne? La mer. La mer, oui. Louis XIV, c'était un roi ou un berger? Un roi. Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale romane ou gothique? Gothique. Et là, c'est une église gothique ou moderne? Moderne. Que font tous ces gens? Ils font de l'exercice. Et lui? Est-ce qu'il veut continuer ou est-ce qu'il en a marre? Il en a marre. Il en a assez. Il en a ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Guignol? Ça ne va pas? J'en ai assez. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Eh bien, venez avec nous. Nous allons manger des tripes à la mode de Caen. Ce sont les meilleures tripes. Vous allez à Lyon? Mais non, en Normandie, à Caen. Vous savez bien que les meilleures tripes, ce sont les tripes à la mode de Caen. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Les meilleures tripes, ce sont les tripes à la lyonnaise. Mais non, à la mode de Caen. À la lyonnaise, à la lyonnaise. À la mode de Caen. À la lyonnaise! À la lyonnaise! À la lyonnaise! Annenberg Media. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. For information about this and other Annenberg Media programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.